pour l'horoscope de la semaine du 4 au 10 mars 2019. Je commence maintenant par les 6 premiers signes du zodiaque du Bélier à la Vierge, mais on se retrouvera tout à l'heure pour la fin de cet horoscope. Bélier, côté cœur, si vous vous faites plaisir en ne faisant rien comme avant, cette semaine peut vous réserver d'agréables surprises, premier décan. Un peu moins de convention ne serait pas pour vous déplaire, et si vous osiez une expérience atypique. Côté pro, ne prenez pas trop les choses au sérieux cette semaine, premier décan. Personne ne vous en voudra d'être un peu plus fantaisiste. Le mode happy vous va très bien et l'humour est une excellente thérapie. Taureau, côté cœur, si il ou elle continue à rester planté dans ses charentaises, vous iriez bien voir ailleurs. Si vous n'y êtes pas, premier décan, ce que vous accorderez un jour devra de surcroît être mis sur le tapis le lendemain et votre pauvre chérie n'y comprendra plus rien. Côté pro, l'effort est dorénavant à l'honneur pour le deuxième décan. Ne laissez rien au hasard et rattrapez les retards que vous véhiculez. Pas de précipitation, mais pas de laisser-aller non plus. Gémeaux, côté cœur, noyez-vous donc dans une folle animation si le cœur vous indique à votre ciel vous le permet, premier décan. Vénus en Verseau peut vous faire marquer des points côté entente et détente ensemble. Côté pro, ne vous laissez pas influencer, deuxième décan, car un entourage, un rien manipulateur ne serait pas toujours d'excellents conseils. Restez sur vos gardes et laissez aussi les flatteurs loin derrière. Cancer, côté cœur, avec ses planètes bienveillantes et bien intentionnées, on ne voit pas bien ce qui pourrait vous déstabiliser, deuxième décan. Un mood câlin, sensuel et sécurisant serait tout à fait à votre goût. Côté pro, vous surfez sur une vague prometteuse sans vous dégonfler, car vous ne manquerez surtout pas de foi en ce que vous entreprendrez. Un tempérament euphorique, un dynamisme de titan. Et c'est pour le deuxième décan. Lion, côté cœur, vous n'êtes pas ami avec la version tandem et le concept de liberté sera sans doute votre revendication préférée, premier décan. Ce n'est peut-être pas une raison pour considérer l'autre comme un boulet, non? Côté pro, entre borné et colérique, il n'y a qu'un pas que vous franchirez un peu trop souvent cette semaine, deuxième décan. On se demandera même si vous ne portez pas des œillères. Vierge, côté cœur, il y a un parfum de déception dans ce ciel-là, deuxième décan, la subtile impression que quelque chose peut vous échapper. Avis de brouillard sur les choses du cœur. Côté pro, vous répondrez présent sur tous les fronts où vous avez un combat à livrer et vous n'êtes pas prêt de lâcher prise, deuxième décan. Qu'on se le dise, Mars en taureau soutient dorénavant vos initiatives. On se retrouve plus tard pour les 6 derniers signes du zodiaque, alors à tout à l'heure.